C'est parti pour la déco, on enlève toutes les chaises. Chouquette a encore pété la truc. Là, on va aussi faire autrement, je pense. On va vous montrer ça de suite. Hein. Toutes les décos sont là. Chouquette a été les chercher. Il y a l'autre partie avec certaines choses. La paupiette est ici. Et je vais vous montrer une petite partie. Juste les pieds de Chouquette et une déco suspendue. On voit Chouquette dans une petite déco. On ne montre pas les autres. Est prête, mais vous ne verrez rien. Chouquette est un peu chafouine. Du mal. Oui, voilà, c'est ce que je dis, ta faim. Du coup, le chat est là, n'est-ce pas, Milou? T'as encore faim? Je t'ai donné à manger il n'y a pas longtemps. Là, je suis en train de faire... vous voyez, on a tout... En fait, j'ai vidé tout ce qu'on avait là. J'ai mis tout en haut, tous nos trucs. Ça, c'est pour l'apéro demain. C'est les œufs dont on a besoin. Ça, c'est ben, tout ce qui... les 5B, le poivre 5B, les baies roses pour le foie gras, tous ces trucs-là, le miel dont on a besoin aussi pour les machins qu'on va faire, les œufs, et là on mettra des apéros ou autres, et on met tout en hauteur pour avoir la place au maximum.
Donc tout ça, il n'y aura plus rien. Là, pareil, il n'y aura rien. Et puis ici, il n'y aura rien non plus. Et j'ai mis sur le frigo, du coup, la liste de tout. Donc là, ce qu'on doit faire, demain matin à 8h30, ensuite saisir les gigots, décongeler les pommes de terre, commencer les apéros, verrines, machin, on va tout cocher. Acheter le pain, sortir les mottes de beurre. D'ailleurs, mottes, est-ce que ça s'écrit avec deux T? Je ne suis pas sûre, mais en même temps, je ne suis pas ce qu'il y a de... Ah si, je ne me suis pas trompée. C'est ça les deux mottes de beurre, en fait, qu'on va sortir du frigo avant. Et puis là, j'ai toutes mes recettes, les chaussons au fromage frais. Vérine, sapin, toast et tout ce qu'on doit faire pour l'apéro. Et ensuite, je vais mettre le plat. Je vais me faire une autre feuille pour le plat. Comme ça, on aura tout qui sera bien organisé. Et on sera bon. N'est-ce pas, Popiette? Demain, tu seras avec nous? Au taquet? Avec ton copain? Turbo? Il est où, Turbo? C'est ton copain? Turbo? Tu l'aimes bien, hein? Le petit bousseron. Donc là, comme dit, je prépare avec des pommes de terre rissolées. J'ai mis du sel, du poivre, de l'ail en poudre et du persil. Je fais revenir ça dans un petit peu d'huile. J'ai battu 5 œufs. Et on va faire une omelette aux pommes de terre rissolées. En fait, une fois que mes pommes de terre sont bien rissolées, je vais mettre l'omelette au-dessus. Je vais essayer de cuire tout doucement. On va se manger du petit pain comme ça, le fameux pain complet de la boulangère. Et avec du jambon ou du fromage à voir. Et ce sera notre repas de ce soir en même temps. Là, il est quelle heure? Oui, il est 21h bientôt. Il était l'heure de manger, hein. N'est-ce pas, Thierry? Je sens que tu as envie de me parler. N'est-ce pas, mon mignon? Ça va, mon chat? Oui, prends. Prends. Prends, maman. Prends. Prends. Par contre, mon... Non, ça va pas me... C'est pour faire la cuisine, si tu te mets dessus, ça va me gonfler. Prends. Regardez-moi ça, ce taxeur, là. Toi, t'as un taxeur, hein. Prends. Allez, frotte-toi contre les décos, je t'en prie. Oh, ce minou chat, là. C'est un beau chat, on va le griller demain. Demain, on le bouffe au four. J'ai été obligée de mettre le flash. Chouquette est en train de nous servir notre boisson. La petite omelette. Ah, le pain, le jambon, le cornichon. Ah non, le beurre. Tout ça devant la télé. La paupiette est là, elle est épuisée. Mon bébé, c'est crevé. Il est vénère. Il est parti rejoindre les siens. Ouf, il a débloqué. Le petit homme attend de quitter. Et voilà la table de nuit. Comme ça, vous la verrez de nuit également. Donc, les petits ronds de serviettes. Comme ça, on en a deux différents. Un avec des sapins. Et dedans, on a mis des petits chocolats. Et un avec écrit Noël. Voilà. Et il y a soit le petit ourson, soit le petit Père Noël. Voilà, et quand on allume ici, tadam! On va mettre également des bougies du coup dans ces trois petits pots. Sur nos verres, on a des petits rennes. Voilà, c'est une table assez simple, on n'en a pas trop fait. On a surtout fait là, en fait, au niveau de la hauteur sous plafond, on dira-t-on, n'est-ce pas, Chouquette? C'est Chouquette qui a tout accroché, donc là, on le voit moins bien de nuit que de jour, mais c'est vraiment trop joli. Et ça, c'est les fameuses accroches, vous savez, de chez, j'allais dire chez Decathlon, mais de chez Ikea. Et elles sont en verre, en fait. Donc, on en a cassé une. Elle est tombée. Et puis, voilà, ça arrive. Là, ici, on a toujours les mêmes décos. Hop. Ici aussi, ça s'allumera la nuit. C'est dans les teintes jaunes. Je voulais mettre des LED, mais elles sont que blanches, en fait. Donc, on a les LED jaunes ici. La petite bougie. Senteur de Noël. Et puis, voilà. Toujours une paupiette. Du coup, la nappe, on a dû la tripler parce qu'elle n'était pas assez blanche. Donc, grosse déception, en fait. Après, elle est jolie, là. Hein, y a pas de... Mais grosse déception parce qu'on a dû la tripler. Donc, concrètement, c'est chiant quoi, de devoir tripler une nappe. Bref, voilà pour la table de Noël. Et du coup, on aura trois enfants ici voilà, qui seront là, 4 ans. Et 8 ans et 6 ans, c'est ça, Chouquette? Ouais, voilà. Donc du coup, ils mangeront ici, on leur fera une petite table et puis ça sera très bien. La journée commence dans la cuisine, je suis debout. Face à mon tablier qui m'attend pour toute cette fameuse journée. Non, c'est pas bien grave. Mac, ça va? Toujours en train de fouiller, toi. N'est-ce pas?
Non, je pourrais prendre mon petit déjeuner. Tout est là. Enfin, tant que je range ça, c'est mon petit déjeuner. Ça, c'est mes cahiers que j'avais besoin pour tout écrire. Faut vider le bar à mar. Le bac à mar, pardon. Cette nuit, on a mis Tirou ici. Parce qu'il commençait à s'énerver un petit peu avec la salle à manger. Un petit peu trop excité. La voici de jour. Bon, on la verra pas de jour vu que les invités viennent le soir. Et voilà ce que ça donne du coup. La table est prête. Et par contre, oui, en effet, c'est vrai que la rallonge de Chouquette, elle penche un petit peu parce qu'elle est très lourde. Mais bon. C'est du costaud, hein. C'est limite même plus, même plus costaud que la vraie table. Enfin, que la table de base. Donc voilà la déco. On a des petites choses à faire. Chouquette, elle a acheté la litière de Tigrou. Et toute la déco est faite. Mais moi, c'est vraiment ça que j'adore, quoi. On voit pas en plus les accroches. Mais c'est ça que j'adore, ces petites boules là. Elles sont trop belles. C'est vraiment beau. Là, j'ai rajouté un petit nœud ici. Là aussi. Et là aussi, un petit nœud Bref. Mais ça. Ma boule préférée, c'est celle-ci, mais on en a qu'une. Je sais plus, on l'avait achetée. Je crois que c'était en été que ma grand-mère jouait au Jardiland. Et ma grand-mère s'est sentie un peu mal. Du coup, on est rentré. Et j'ai pas acheté les autres. J'en ai pris qu'une. Et du coup, on en a qu'une. Il me semble que ouais, c'était au Jardiland qu'on l'avait achetée. Je sais plus. Mais elle est magnifique. Et j'aimerais bien en avoir d'autres de celles-ci, mais bon, tant pis. Puis après, c'est que les mêmes, hein. Les mêmes boules, mais réparties différemment. Voilà pour la table de Noël. Noël édition 2022. Et après, on va mettre le canapé. On va ouvrir ici, on va mettre le canapé dans l'autre sens parce qu'il va y avoir les enfants pour éviter que ça gigote trop par là. So, je vous montre l'avancée. Je suis en train de préparer les verrines. Si le flou se fait tout le temps, ça va être chiant. Les verrines concombre saumon. Donc là, j'ai découpé un concombre, j'ai enlevé tout l'intérieur. Donc il n'y a plus du tout de pépins. Vous voyez, on reste beaucoup moins là. C'est l'équivalent d'un concombre. Je mettrai de la ciboulette et j'utilise cette crème fraîche là pour mélanger avec le saumon fumé. J'ai pas encore sorti le saumon fumé, mais j'ai déjà salé un petit peu le concombre. C'est pour ça que je le laisse là pour qu'il sorte un petit peu son eau. Mais toute l'eau est déjà partie avec en enlevant en fait l'intérieur. Là, dans une cocotte en fonte, j'ai mis de l'huile. Après, je vais pas vous faire toute la recette, hein. Et là, j'ai les filets mignons, en fait. Il y en a pour 10 personnes, en fait. Mais il y en a beaucoup. Et du coup, je vais devoir les faire individuellement chacun. Parce qu'en fait, je vais les faire en croûte. Donc, ça va être sympa. Je suis en train de me demander si je vais pas en congeler un. Parce que je pense que ça va faire un peu trop. Je pense que je vais en congeler un pour Chouquette et moi, en fait. Ça sert à rien d'en avoir autant. Parce que je pense pas que tout sera mangé ce soir, du tout. Du tout, donc je vais en congeler un, comme ça on en aura un en fait au congélateur. Donc il y en aura un de moins, sûrement celui-là. Et je vais faire les autres, on sera 9, enfin pour 10 adultes, et en sachant tout ce qu'on a à manger encore autour. Donc je vais saisir tout ça, ensuite je vais aller chercher mon cognac. Il est où le cognac? Non là c'est du rhum. Il est où le cognac? Il est là. Hop, ici, et je vais les faire flamber au cognac. La commise de cuisine qui fait les petits feuilletés dans une pâte rectangulaire, parce qu'on avait des rondes et des rectangulaires. Elle nous fait des petits feuilletés sapins qui sont très très beaux. Faut enfoncer un peu plus le pic par contre, parce que ça va gonfler, du coup ça va te. Mais il faudra juste l'enfoncer un peu plus. Et je pense qu'on les coupera peut-être même. Tu sais, on va mettre le petit carré ici de gruyère pour qu'ils tiennent après quand ils seront cuits debout. Donc là c'est tartare jambon blanc et là c'est pesto jambon blanc. Paupiette toujours là. Moi, j'ai fait des ronds dans ma pâte et je vais faire avec le petit Billy et mon miel qui est là. Excusez-moi. Hop, mon petit miel qui est là. Je vais faire les chaussons chèvre-miel. Je mange un croissant que Chouquette m'a ramené. Les filets mignons, hop, sont ici, sont cuits. Je les ai laissés dans leur sauce pour ce soir les faire. Tout est là, le fromage. Ça, c'est les pommes de terre grenaille qui sont en train de décongeler avec les deux sachets de haricots verts dans un bac. Tout est prêt. Chouquette avait été acheter les deux tartiflettes pour demain soir. Et tout est prêt. Voilà, on va fermer. Et en bas, on a fait les verrines
saumon, qui sont très bonnes. D'ailleurs, je les ai goûtées. Moi, qui suis pas fan du saumon, en fait, j'ai monté avec un batteur électrique, j'ai monté de la crème fraîche épaisse président, là, vous savez, la spéciale cuisine, avec du Saint-Mauré et du truc comme ça aussi, là, comme elle a mis du boursin. J'ai monté ça comme une crème fouettée et c'est très bon avec le saumon. Bon, ben le repas du midi, ce sera boulettes dans du pain avec un peu de mayonnaise. Le flou permanent est très chiant depuis cette vidéo. Là, on a mis le cuiseur vapeur pour les haricots verts ce soir. De toute façon, il y aura deux casseroles ici pour les pommes de terre grenaille. Et au four, il y aura les viandes feuilletées. Voilà, donc là, nos deux casseroles et puis tout est prêt. Là, j'ai mis les chocolats sur un petit plateau. C'est chiant, cette mise au point. C'est un calvaire, vraiment. Un petit chocolat comme ça et des litchis. Là, pour les enfants. Et ça, c'est pour les verrines aussi, les petites cuillères. Et ça, c'est des œufs qu'on aura pour badigeonner les feuilletés qui sont à la cave. Parce qu'ils sont faits, on n'a plus qu'à les cuire à la dernière minute. Et j'ai sorti les deux petites mottes de beurre pour pas qu'elles soient trop dures. Voilà, et on a également sorti tous les pains. Donc les pains comme ça, les grands pains, les pains d'épices, les pains mis à toaster, le pain pour les huîtres. Voilà, voilà. Il est beau ce petit tronc d'arbre. Il y a des champignons pour toujours le sucre. Ah, un petit caca. Regardez ici, ils sont où, c'est les bébés. Il y en a des petits en plus, hein. Ça, c'est des sales bêtes. Maman, elle va risquer de tomber encore. Ils sont, regarde, Mac. Mais viens avec maman, maman, elle tombe. Ah oui, sales bêtes. Ouh là là, j'ai peur. Fais attention, ça attaque. Hein. S'ils attaquent le chien, on les bouffe à Noël. Si je lâche le chien. C'est des bébés, ça, je crois. Ils ont un nouveau plumage, ils sont en train de se transformer en cygne blanc. Ils sont beaux. Ouais, beaux. C'est surtout des sales bêtes. C'est beau les cygnes. C'est pas très gentil. C'est beau. Bah en fait, par rapport au corps et à la tête, le cerveau est trop petit. Bah c'est vrai, regarde. Oui, bon bah c'est tranquille pour bête. J'ai peur par contre. Arrête. Non, il faut qu'on garde ça en... Regardez les sales bêtes. En plus, ça attaque dans le dos, ça c'est fourbe. Mac, il a plus de dents, il peut plus les mordre. Toi, t'arrives, t'es en main comme ça, là. Ah, vous voulez me voir? Parce que je fais un peu peur, quand même. Allez, voilà. Bon, voilà, les cygnes m'ont vu comme ça. Parce que je veux pas mouiller les cheveux, vu que ce soir, je me suis lavé les cheveux hier soir, et que là, après, on rentre, je prends ma douche. Ah, mais je le prends par le cou, je le secoue, hein. Je lui coupe la tête. Regarde, hein. Regarde la sale bête, là. Ils sont dehors, les sales bêtes, là, vous les voyez? Pourriture, va. Oh, il y a waouh, il est énorme celui-là, regarde-le sur l'eau. Comme il est gros. Bah là, celui qui vole là. Regarde. Ouais. C'est un héron ça. Oui, oh, il t'attaque là. La vache. Ouais, il t'attaque. Vous allez le voir. Là. C'était quoi ça? C'était un... Je viens de sortir mes petits feuilletés. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais ils ont un petit peu vomi. Bref. J'ai mis des graines de sésame doré. Là, il y a les trucs à huîtres de mes parents, on a fait la vaisselle, tout est bon. Ici, les haricots verts, là, les pommes de terre, grenaille, la sauce au mori de chez Picard, du coup, qui est comme ça. Mon petit verre, et c'est parti, on est en train de prendre l'apéro avec mes parents. On a une de mes belles-sœurs qui vient juste après. Ah, les petits feuilletés sapins sont là, on vient de finir de les cuire. On n'arrive pas à les faire tenir debout, mais c'est pas bien. Bon, bah c'est Noël numéro 2, hein, n'est-ce pas? Le chat est allongé sur le canapé parce que le pauvre, il était à l'isolement toute la soirée. Et Mac, il est où d'ailleurs? Mac? Je l'ai vu il y a 3 minutes. Ah, il est en dessous de la table. Non. Mac? Bébé? Ah, il était aux toilettes. T'es parti aux toilettes? Mon cœur. Donc, petite salade verte d'hier. Du coup, des toasts. On a pris les grands et on les a fait toaster. Foie gras confit, le saumon, qui est très bon d'ailleurs. La gelée que ma mère a ramenée parce qu'on n'avait pas de gelée madère dans les magasins. On a oublié de lui rendre le tupperware. Des petites tomates cerises. Après, on aura les fromages d'hier avec du pain. Bon app, Chouquette. Ouais. T'es crevé, mon bébé? Non. Chouquette est en train de tout ranger. Et Chouquette, oh, wow, a mis la table plus sobre. Mais toujours les petites bougies pour ce soir. Le chat. Donc, on est 6 ce soir. Et le petit chat,
Ça va, Minou? Hier, je ne vous ai même pas montré mon outfit. C'était une robe à paillettes grise à sequins. Et là, c'est un le pull. Ok. Je ne me suis pas maquillée, mais il faudrait quand même que je me motive parce qu'il y en a 19h. Un minimum. Là, je suis en train de faire une sauce de dernière minute. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faudrait quand même que je me motive. Tout est fait et... Tout est fait. Oui, tout est fait. En apéro, on fait quoi? Là, c'est plus cool parce que c'est des amis qui viennent. Donc, on est un peu plus cool. Je vais regarder. Hein. Je vais gader. Je vais manger un peu de raisin. Vous savez, mon raisin... Hein. Il est bon. Un petit oignon. On peut-être faire ça en apéro. Après fou avec du saucisson, des chips, truc cool. En fait ça, je m'en suis pas servi. Je vais en mettre dans ma sauce que j'ai. Que je suis en train de préparer, je suis un peu fatiguée, un peu amorphe. Je me sentais pas très bien, non? Je pense que c'est la fatigue. Comme dit au boulot, il y avait beaucoup de boulot. Et là, le repas de Noël, tout ça, c'est peut-être un petit peu la fatigue. Bref, sur ce, on se retrouve un peu plus tard. Et j'ai toujours pas monté le vlog. Hein. Donc normalement, il devrait être en ligne maintenant, il n'est pas encore monté, donc il sera mis quand il sera mis. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça, je suis désolée. Je pouvais pas faire autrement. Ça sort parce que dès qu'on a de la visite, le chat ne supporte pas qu'on ait... Enfin, pas qu'il supporte pas, mais il n'aime pas trop. Donc, fin de soirée. Et franchement, ça s'est terminé plutôt assez tôt. Après, tout le monde a... Voilà. Tout le monde a... On va y arriver. Hello, la jeunesse. Il y a du soleil aujourd'hui. Je suis dans le garage, comme vous le voyez. Bah, j'ai pas que j'ai pas envie, bah non, j'ai pas envie en fait des journées de, comme dit, des journées aussi longues que ce que je fais, c'est compliqué. Surtout de rester concentré pendant 9 heures comme ça. Ah, bref, je sors la voiture, le garage. So, qu'est-ce que je voulais vous dire? Chouquette est malade aujourd'hui, du coup ça m'embête de la laisser parce qu'elle est malade depuis hier. Mais j'ai pas d'autre choix que de la laisser malheureusement. Je dois aller au travail, j'ai pas de truc enfant malade, donc bah il faut que je la laisse malheureusement. Donc voilà, du coup ça m'embête. Re tout le monde, je suis en train de faire cuire des tortellini pour Chouquette demain midi et pour moi demain midi, parce que moi demain midi je vais au travail, donc il me faut à manger. Et Chouquette demain midi est à la maison vu qu'elle est en congé depuis vendredi, mais elle est malade, elle a la grippe. Donc elle n'arrive pas à se faire à manger, du coup je nous fais à manger pour toutes les deux. Donc là il est 22h20, voilà, j'ai fini de manger. Ce soir je suis passée au McDo parce qu'en fait, ben, comme dit, j'ai pas fait à manger pour la semaine et Chouquette n'a pas réussi à faire à manger. Et j'avais pas le courage à 21h de faire à manger. J'ai envie de prendre ma douche et ben, de dormir. De toute façon, ben, quand je travaille comme ça, je rentre, je dors. En fait, je rentre, je bouffe, je prends ma douche et je dors. Voilà. Heureusement que c'est pas comme ça tous les jours parce que franchement ça me casserait les bonbons. So, sur ce, bah, je vais vous laisser, je vais finir de faire à manger et on se retrouve un peu plus tard. Chouquette, je sors du travail. Chouquette est venue me chercher, nous allons voir pour des baskets para la chouquetas, parce que la chouquette a des baskets d'hiver, d'été, alors que nous sommes en hiver, donc ça va pas du tout. À chaque fois, elle prend la pluie, c'est une catastrophe. Du coup, on a dit, allez hop, let's go. Alors, tu balances mes conneries, mais tu dis pas que je t'ai ramené un petit bouquet de roses. Oui, elle m'a ramené un petit bouquet de roses au travail. Parce qu'en fait, elle est venue me chercher au travail. Et j'avais un petit bouquet de roses. C'est beaucoup trop mignon. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Rien de plus, donc on va aller acheter tout ça. Le vlog, je pense vraiment pas qu'il est long parce que j'ai quasiment rien filmé de ce que je me rappelle. Mais cette semaine, voilà, comme il y a certaines semaines où c'est un peu plus intense, c'est pour nous, émotionnellement parlant, ça a été plus intense, donc j'ai moins filmé. On était surtout malade. Toi, t'étais malade, c'est vrai que ben, ça m'a pris du temps, donc concrètement, je pense pas à filmer quand la chouquette, elle est malade. Et puis voilà, comme je dis, quand on a des choses dans notre vie, qui, ben, comme tout être humain, hein, comme, tout, comme vous et nous, ben, y a des choses qui se passent, et du coup, on est un peu plus stressé ou...
pris par les choses et du coup moins envie de filmer. Et puis voilà, comme dit, moi c'est la semaine entre Noël et Nouvel An, donc on a quand même pas mal bossé. J'ai pas mal de clients. D'ailleurs, j'ai changé la couleur de maison. N'est-elle pas magnifique? On dirait des rubis. Bon, cette main n'est pas la plus belle, celle-ci est chouette. On dirait des rubis. On va vous laisser? Oui, on va vous laisser. Oui. Choquette. On vous fait des bisous? Non. Ah, tu fais des... Bon, que à toi. Que à moi. Choquette a fait des bisous que à moi et pas à vous. Je vais me faire engueuler sinon. Voilà, hein, parce qu'après, bon. Sur ce, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt dans un prochain vlog la semaine prochaine, du coup. Ouais.